Aujourd'hui, je vais devoir finir Minecraft, mais sur un seul bloc. Alors là, je vous avoue que je me suis mis dans un sacré pétrin. Comment je vais faire pour finir Minecraft sur un seul bloc? Bah là, je vous demande. Ça va être super compliqué et j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, les gars, je vous souhaite une bonne année 2023. Ça fait un petit moment que je vous ai pas sorti de vidéo parce qu'il y a eu les fêtes de fin d'année et aussi parce qu'à l'heure où je poste cette vidéo, bah c'est mon anniversaire. Donc pour mon anniversaire, est-ce que tu pourrais mettre au moins un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne? Ça me ferait extrêmement plaisir. Boum, voici la liste des derniers abonnés à la chaîne. Si tu veux apparaître à l'écran, t'as juste à t'abonner et activer la cloche. Oh, salut toi, ça va ou quoi? Oh, salut. Salut mec, tu vas bien? Ouais, j'étais en train de manger là, qu'est-ce qui se passe? T'es abonné à la chaîne ou pas mec? Ah bah ouais, je suis abonné, tu crois quoi? Bon bah t'as le droit d'avoir la petite golden apple cheatée, voilà. Oh, bah putain, j'étais en train de manger, c'est parfait ça, allez hop. Ah, ouais, salut. Allez, régale-toi mec. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Let's go. Ok, du coup les amis, on se retrouve directement sur un seul bloc. Donc comme vous pouvez le voir, bah je suis vraiment sur un bloc quoi. Je peux pas faire autre chose que d'être sur ce bloc. Il va falloir que je finisse Minecraft. Je sais pas comment je vais y arriver, mais je vais essayer de tout donner. Donc bon, là je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je crois qu'il faut que je casse les blocs juste en dessous de moi. Donc on va voir. Donc là on va casser un maximum. Oh wow, d'accord, je suis tombé dans le vide, d'accord. Je crois qu'il faut pas que je me mette sur les côtés du bloc parce que sinon si je casse bah je tombe. Il faut vraiment que je me mette dessus. Et là si je casse normalement, et oui d'accord. Oh d'accord, ça se transforme en des blocs différents en fait, plus on avance. Donc là on a du bois, c'est pas si mal. Ok, là il y a de la cobble. Bon, il va falloir que je me fasse une pioche. On va mettre une table de craft juste ici. Boum, on se fait la petite pioche en bois. Et normalement j'ai juste à casser là et voilà, parfait. Là il faut que je casse un maximum de blocs. Par contre les gars, vraiment le but de cette vidéo ça va être de casser un maximum de blocs en dessous de moi. Et au bout d'un moment je vais pouvoir tuer l'Ender Dragon les gars. Enfin j'espère, je vous avoue que j'ai pas essayé la map juste avant. Ok, donc là on a pas mal de trucs. On a du bois, parfait, on va récupérer un maximum. On va se faire directement une pioche en cobble, comme ça au moins on a une pioche en cobble directement. On va se faire une hache et une pelle, comme ça j'aurai juste à switch sur les bons items à chaque fois qu'il y aura le bloc en dessous de moi. Bon allez, je vais casser pendant un petit moment les blocs en dessous de moi et on se retrouve juste après. Oh, attendez, je vous reprends juste là parce que il y a, ok, de l'obsidienne directement. D'accord, en fait on peut avoir des coffres avec des trucs dedans directement. Attendez, si je casse, est-ce que je récupère tout? Ok, ouais, effectivement j'ai les blocs d'obsidienne, parfait. Bon, on va agrandir un petit peu l'endroit parce que je vous avoue que j'ai bien envie de pouvoir marcher un petit peu parce que je me sens vraiment claustrophobe. On va agrandir un peu cet endroit là. Bon, pour le moment c'est un petit peu moche, on va pas chipoter. Ok, du coup en fait il y a des niveaux à débloquer. Donc là en fait on est au niveau 2. Plus on va avancer dans la vidéo, plus en fait il y aura des niveaux différents où il y aura des blocs de plus en plus cheatés. Je commence à comprendre comment marche cette map. Ma question ça va être comment est-ce que je vais faire pour aller dans le Nether et l'End. Bon, on va continuer à casser. Oh d'accord, oh, ok, on a du fer, on a notre premier fer, parfait. Oh, ok, cette fois-ci on a eu un coffre avec du sable dedans, let's go. Quoi? Ok, attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de casser un bloc et il y a un mouton qui a spawn. Ok, je vais save le mouton ici, comme ça au moins ça sera bon. Bon par contre le mouton, tu peux bouger là, tu me déranges à casser les blocs. Ok, encore un coffre, qu'est-ce qu'on a dedans du coup? Oh, du gravier, parfait, je vais pouvoir me faire un briquet. On va farmer directement le flint, comme ça on l'aura tout de suite, on n'aura pas besoin de le faire après. Ok, parfait. On va le mettre dans le coffre directement et on va se faire directement aussi un four. Comme ça au moins on va pouvoir faire cuire le fer qu'on a. Boum et boum. Parfait. Bon, pour le moment l'île est plutôt petite, mais l'île va s'agrandir au fur et à mesure de la vidéo. Bon, par contre le mouton il me dérange de fou malade. Encore un coffre avec du sable. Mais attends, mais il y a beaucoup de sable là. Oh, incroyable, ok, d'accord, dans le coffre on a un seau d'eau et un seau de lave. On va pouvoir se faire une source de cobblestone infinie. On va agrandir la zone comme ceci, voilà. Par contre c'est cool, il me donne des coffres, du coup je vais pouvoir avoir assez de stockage. Oh, j'ai de l'émeraude. Bon, je peux pas la casser, j'ai pas encore assez de fer pour me faire une pioche. Bon, par contre le mouton tu saoules. Oh, let's go, de la canne à sucre, parfait. D'ailleurs on vient de passer au niveau 3 du cassage de blocs. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup? Allez s'il te plaît, donne-moi des trucs bien. Par contre on a pas mal de bois, ça c'est plutôt bien. Oh, j'ai une pousse d'arbre, c'est pas mal du coup, je vais la mettre juste ici. Comme ça bah un arbre pourra spawn juste là, du coup c'est plutôt bien. Il commence à me donner des minerais que je peux pas miner. J'ai tellement peu de fer que je peux pas me faire une pioche en fait. Oh non, il y a un zombie qui a spawn. Ok, ok, faut pas que je meure. Ok, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Voilà, parfait. En fait, des mobs peuvent spawn aussi. Ok, faut vraiment que je fasse très attention. Oh, par contre, le mouton, il va toujours au mauvais endroit. T'es sur le bloc que je dois miner, mec. Ok, je viens de passer au niveau 4. Du coup, on est vraiment pas mal, en fait. Là, je peux pouvoir agrandir un petit peu la zone. Je vais poser un peu tout ce qu'il y a d'inutile dans les coffres. Bam, bam et bam. Et c'est parti, les gars, on agrandit tout ça. Et voilà, du coup on a agrandi. Eh, ça avance plutôt pas mal en vrai. C'est assez rapide. Bon, allez, on va continuer à casser. Il faut vraiment que je casse un maximum de blocs. Il me faut du fer là. Par contre, les gars, si j'ai un autre seau d'eau, je vais pouvoir faire une plantation de canne à sucre. Et ça, c'est plutôt bien. Oh non, 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 non. Ils peuvent pas me faire ça. Ils ont mis du diamant. Je peux pas le casser, les gars. Ok, j'ai du fer ici et un fer cuit. Oh non, je peux vraiment pas me faire une pioche. Je suis obligé de m'infliger la pire sentence de Minecraft. Casser un minerai de diamant avec une pioche qui n'est pas faite pour. Non, mais ils veulent pas me donner du fer. Ils vont me donner tous les minerais, c'est ça? Oh, let's go. J'ai mon dernier
fers, parfait. On va faire cuire les deux fers juste ici et on va pouvoir se faire enfin une pioche. Je vous jure, pour le moment, je vois pas trop comment je pourrais finir Minecraft avec tout ça. Et d'ailleurs, je me demande si le Nether et l'End sont modifiés sous forme de un bloc. Si c'est le cas, c'est incroyable. Oh, encore de l'obsidienne. Ok, on en a 6, on a 6 d'obsidienne. Oh, wow, pardon. Oh, il a poussé l'arbre, let's go. Mais attendez, on va peut-être pouvoir se faire le portail du Nether. Encore de l'obsidienne. Mais attends, on en a combien? 9. Il nous manque une seule obsidienne pour aller dans le Nether, les gars. Oh, une vache, incroyable. Ok, on commence à avoir de la visite ici. Oh, elle m'a fait trop peur, purée. Bon, heureusement qu'il fait jour parce que là, elle est gentille du coup. On va la pousser gentiment comme ça. Voilà, merci beaucoup, tu tombes. Ok, on est niveau 5. Bon, je commence à être full. Je vais utiliser tout le bois pour agrandir mon île. Bon, bah, c'est parti, on agrandit, hein. Ok, j'ai un petit peu agrandi, j'ai gardé quand même un petit peu de bois. Du coup, on est quand même pas mal là en vrai. Attendez, mais en fait, je peux carrément faire le portail en fait. On va le placer ici. Si je fais bam, 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 tac, 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 et boum. On a déjà le portail du Nether. Par contre, j'ai pas de fer pour faire le briquet. Du coup, bah, il va falloir qu'on casse encore les blocs. Allez, c'est parti. Oh, un autre mouton qui a spawn. Du coup, il y a deux moutons. Je pourrais faire un enclos en fait. Et bon, pour ça, il me faut du blé. Et pour le moment, bah, j'ai pas de quoi faire du blé. Encore un autre mouton qui a spawn. Mais attends, il y en a vraiment trois. Ah, mais oui. Mais attends, il commence vraiment à y avoir beaucoup de moutons là. Ah, il me faut de quoi faire un élevage. En fait, une seule graine me suffirait à faire tout un élevage. Attends, mais il commence à y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de mobs qui spawn là. Et là, on commence à avoir quasiment tous les mobs du jeu en fait. Et vraiment, je casse depuis tout à l'heure et j'ai même pas un seul fer. Je veux aller dans le Nether. Enfin du fer, enfin. Je fais cuire directement ce fer et normalement je vais pouvoir allumer le portail du Nether. Oh, regardez tout ce que j'ai récupéré comme bloc, les gars. Non, ça commence à faire vraiment beaucoup. On se fait le briquet et normalement je peux allumer. Et boum. Ok, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le Nether juste pour jeter un coup d'œil, mais on va pas y rester. Enfin, je pense, en tout cas on va voir. Allez, let's go, c'est parti. Ok, je... Oh, oh, mais attends, mais incroyable. Ok, cette map est complètement ouf. Il y a carrément un manoir géant derrière moi. Bon, il va falloir que je me fasse un pont pour aller vers là-bas. Bon, je suis tellement impatient que je vais aller chercher des blocs du monde normal pour aller là-bas au fond. Allez, c'est parti. On va se prendre du bois comme ça, voilà, et on va revenir dans le Nether. Bon, allez, c'est parti, on y va, let's go. On va aller directement vers le manoir. Oh, ok, on est arrivé vers le manoir. D'accord, non, mais c'est super beau. Il y a un ghast bloqué au-dessus. D'accord, ici, il y a un entonnoir. Il y a des entonnoirs un peu partout. Oh, mais attends, mais il y a des ghasts partout. Ok, en fait, les ghasts sont emprisonnés. Je crois que je suis clairement pas assez stuff pour venir ici. Oh, des enclumes. Bah, attendez, on va en récupérer quelques-unes là. Parfait. Il y aurait pas un coffre avec des enderpearls par ici? J'essaie de m'aventurer vers des endroits un petit peu dangereux, mais pour le moment je vois rien de spécial. Obligé, il y a quelque chose à faire ici, mais je sais pas encore quoi. Par contre, je vais récupérer la laine là, je vais pouvoir dormir dans un lit. Et pour le moment, je vois pas à quoi ça sert cet endroit. Bon, on va poser les enclumes juste ici, parfait. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Oh, un œuf de villageois. Non, mais cette map est incroyable. Je viens carrément de remplir un double coffre de blocs. Là, il commence à y avoir pas mal de mobs qui ont spawn. Il va falloir que j'en tue un. Donc je pense que je vais tuer un mouton parce que j'ai commencé à avoir vraiment faim. On va le brûler comme ça et boum, on a juste à le tuer et ça fait de la bouffe cuite. Let's go. Oh, encore un œuf de villageois. Oh, let's go. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils offrent d'ailleurs? J'ai même pas été voir. Oh, ils donnent du ragoût de lapin. Parfait. On peut se faire le ragoût. Parfait. On a un ragoût de lapin. Comme ça, bah, on a un petit peu de bouffe. Je comprends pas, j'arrive pas à passer au niveau suivant, au niveau des blocs. Ça fait vraiment presque 30 minutes que je casse des blocs et il y a rien qui se passe. Du coup, je vais essayer de casser dans les blocs du Nether. Peut-être que c'est la suite. On va continuer dans le Nether. Ok, je pense qu'il va falloir que je casse un maximum de ces blocs. Je vais monter là où il y avait le ghast tout à l'heure pour voir si je peux choper quelque chose. Ok, je suis arrivé. Oh, il y a le ghast. Hop. Oh, c'est quoi cet endroit? J'arrive pas à tuer le ghast, les gars. Il est bugué. Oh, il y a un coffre en bas. Allez, enfin, il est mort. Bon, allez, on va descendre doucement. On va essayer de récupérer le coffre. Ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, deux diamants. Ok, on a deux diamants. C'est déjà pas mal. Je pensais qu'elle allait avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Mais bon, on va pas se plaindre. Mais on va aller là-bas. Juste ici, je crois que je suis jamais allé. Et il y a plus grand-chose. Vous savez quoi? Je pense que je vais brûler le sol. Peut-être que je vais trouver quelque chose d'intéressant. Ok, du coup, je vais regarder ce que ça a fait. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé ici? On dirait qu'il y a pas grand-chose, hein. Oh, ok, ici, il y a un coffre. Ok, encore deux diamants. Parfait. On va pouvoir enfin se faire une pioche cheatée. Ok, on se fait la pioche en diamant. Let's go. Et du coup, bah, c'est parti. On va casser les blocs du Nether. Let's go. Du diamant, let's go. Oh, un coffre. Oh, des enderpearls. Parfait, let's go. Ok, on commence à avancer vers le stronghold. Les gars, on y est bientôt. Enfin, j'espère. Et du coup, est-ce que dans ces blocs-là, il y a aussi des niveaux? Ça pourrait être intéressant. Je vais essayer de miner pendant vraiment longtemps. Encore du diamant, let's go. Mais encore du diamant. Eh, les gars, il y a vraiment beaucoup de diamants. Il y a peut-être moyen de se faire un full stuff diamant. J'ai eu plus de diamants que de fer dans cette vidéo. Ok, on a 6 enderpearls. Encore du diamant.
diamant. Et boum, on a tous les outils en diamant. Bon, je vais poser tout ce que j'ai récupéré dans le coffre. Comme vous pouvez le voir, on a déjà 6 enderpearls. C'est déjà pas mal. Allez, s'il te plaît, encore. Oh, mais encore des enderpearls, on en a 6. Bon, on a 12 enderpearls, c'est plutôt bien. Les gars, je viens d'augmenter ma distance de rendu et regardez qu'est-ce qu'il y a là-bas. Je viens de voir qu'il y a des îles, mais je suis trop bête. Bon, les gars, je vais y aller directement, mais d'abord, je vais devoir me faire une petite maison, surtout qu'on a pas mal de blocs. Bon, je pense que je vais me faire un petit truc, donc ça va pas être un truc incroyable, mais bon, pourquoi pas essayer de faire une maison du coup. On va prendre tous les bois de chêne et on va directement agrandir la zone. On va agrandir de là, voilà. Donc on va commencer par mettre des petites fondations. Donc c'est parti, je monte comme ça, de 4 de hauteur, comme ça je pense que ça peut être pas mal. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc on a déjà notre petit pilier. On va remplacer ça en faisant clic droit sur tous les blocs. Ça fait un petit bois un peu plus stylé pour faire des petits piliers. Bon, par contre les PNJ, vous êtes sur mon territoire, je vous ai pas autorisé. On va refaire la même chose mais de l'autre côté, mais de 1 de hauteur de plus. Hop. On va tout relier comme ça, j'espère que je vais avoir assez de bois. Tac, plus qu'à transformer tout ça en bloc comme ça, voilà. Et boum, ça donne ça du coup. Eh, c'est pas si mal en vrai. Maintenant, on va relier ces blocs-là comme ceci. Vous verrez, ça va rendre super bien. On remplit tout comme ça, tac, 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 ce bois est vraiment cool. Hop, on fait deux piliers pour l'entrée, donc ça, ça va être l'entrée. Ensuite, on fait un pilier au milieu. Et voilà, je pense que déjà, ça rend déjà un petit peu mieux. On va déjà placer la porte, comme ça, on voit comment ça va rendre. Voilà, je place la porte juste ici. Bon, on va se faire des vitres, je sais pas si j'en aurai assez. Hop, ça en fait 16. On va les placer juste ici, voilà. Et voilà, on a notre entrée. On va remplir tout ça, tac, tac, tac. Voilà, comme ça. Et en vrai, c'est un peu petit, mais bon, c'est pas très grave. Je vais faire un petit trou ici, où je vais placer deux vitres. Et un petit trou ici, où je vais aussi placer deux vitres. Du coup, on remplit comme ça, on met des demi-dalles ici. Mais qu'est-ce que le cochon fout ici? Tu descends. On met des demi-dalles un peu partout, une fois sur deux, comme ça, tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Voilà, comme ceci, et boum. Et voilà, on a notre petite maison. En vrai, elle est pas si mal, hein. Juste, elle est un peu petite, mais bon, c'est pas grave. Et boum, je peux ranger mon diamant et mon fer. Voilà notre petite maison. En vrai, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense qu'elle est plutôt stylée, en vrai. Bon, maintenant, il est temps d'aller vers les îles flottantes. Mais d'abord, il faut juste qu'on se stuff. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va farmer un maximum de blocs. Mais je vais vous épargner ça. One eternity later. Voilà, du coup, j'ai fini. On a 19 diamants et 16 de fer. On va commencer par se faire le stuff en diamant. Du coup, hop, on va se faire un pantalon et des bottes. Boum, boum et boum. Le reste, on va se faire le casque en fer. Boum. Et sur ce, je pense qu'on peut commencer à faire le pont pour aller vers les îles. Du coup, c'est parti, on y va. Let's go. Allez, allez, allez. Bon, je viens d'utiliser 4 stacks de blocs et je suis pas encore arrivé. C'est pour vous dire à quel point c'est loin. Ok, donc je viens de récupérer un maximum de blocs et normalement, je dois avoir assez de blocs pour faire toutes les îles. Ok, je suis arrivé vers la première île. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette île? Oh, déjà, on a un coffre. Oh, dans ce coffre, il y a 4 diamants. Et de l'obsidienne, d'accord. Ok, je viens de monter tout en haut de l'île et je crois qu'il n'y a rien de spécial. Du coup, je vais aller vers une autre île. Allez, c'est parti. Ok, nous voilà vers une autre île et je vais devoir faire un jump. J'espère que je vais pas mourir, les gars. Je vais pas mourir. Ok, fou. Oh, j'ai perdu quand même la moitié de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre du coup? Let's go. Des œufs de villageois zombies. Ok, je comprends pas trop pourquoi il y a ça. Et de l'obsidienne, d'accord. Il y a comme des escaliers en fait. Et on dirait qu'il y a aussi rien de spécial. Je pense qu'il y a un coffre par île. Mais en tout cas, sur cette île, il y avait pas grand chose en vrai. Bon, bah voilà, il y avait rien d'autre en vrai. Du coup, on va aller sur cette île qui est juste au-dessus de moi en vrai. Est-ce qu'il y a un coffre quelque part? Ok, oui, il y a un coffre. Boum. Oh, un livre. Infinity 1, let's go. Ok, il me faut un arc absolument. Si je trouve un arc, ça va être super simple de tuer l'Ender Dragon avec le livre Infinity. J'aurai des flèches carrément illimitées. Ok, je suis arrivé. Allez, dis-moi qu'il y a un truc bien dans le coffre. Ok, encore un livre. Fortune 3. Bon, bah c'est parti, je fais le pont vers l'île suivante. Ok, j'ai trouvé le coffre directement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Oh, des bâtons de Blaze. Mais attends, on en a vraiment beaucoup là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 bâtons de Blaze. On peut déjà faire les yeux pour aller dans l'End. Bon, il nous manque 3 îles à faire. Ok, je suis arrivé vers l'île juste au-dessus et il nous manque plus que 2 îles à faire. Ok, il y a un coffre juste ici. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? 2 diamants, let's go. Et un livre puissance 5. Attendez, il me faut absolument un arc avec des flèches. Je peux me faire mon casque en diamant du coup. Bam. Et boum, on est full diamant. Oh, il va falloir que je rentre à la base. J'ai
plus de blocs. Ok, je suis de retour à la base et je vais récupérer du coup un maximum de cobblestone qui sont dans les coffres. Ah oui, mais en fait j'avais beaucoup de cobblestone en fait. On va prendre les enderpearls et les transformer en yeux de l'end. Bon allez, c'est parti, on y retourne. Je viens de me rendre compte que j'ai pas vérifié s'il y avait quelque chose au-dessus de cette île. Du coup, on va aller voir directement. Ok, je viens d'arriver et heureusement que je suis monté parce qu'il y avait un coffre. Dans ce coffre, oh, ok, des enderpearls, parfait. Bon, on va les récupérer et on va en transformer deux au cas où pour faire le portail. Ok, je viens d'arriver du coup. Qu'est-ce qu'il y a sur cette île? Ok, il y a une entrée par ici avec des escaliers. J'espère qu'il y a un coffre quand même. Ah, ok. Encore des enderpearls, parfait. Ah bah, en fait, j'ai directement un accès vers la prochaine île. C'est même la dernière île en fait. Ok, je suis sur la dernière île. Qu'est-ce qu'il y a du coup sur cette île? Je sais. Oh, let's go! En fait, l'île la plus haute, c'était l'île du Stronghold. Il y a le portail de l'End, enfin! Je vais voir si je peux trouver un coffre juste au-dessus. Je crois qu'il n'y a pas de coffre en fait. Ah, si, il y a un coffre, let's go! Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Oh, let's go! Un arc avec des flèches. Là, les gars, c'est quasiment good. Il faut que je retourne à la base pour le transformer en Infinity et Puissance 5. Plus qu'à aller vers la base. Ok, l'Ender Dragon, je suis bientôt là. Arc Infinity et Puissance 5. Incroyable! Du coup, c'est parti, on est prêt pour tuer l'Ender Dragon, les mecs. Ok, on va placer les yeux, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et boum! C'est parti pour tuer l'Ender Dragon. 3, 2, 1, let's go! Oh! Mais attendez, c'est aussi un truc de un bloc. Mais où est-ce qu'il est, le dragon? Les gars, j'entends le dragon, il est vers là-bas, mais je le vois pas. Et d'ailleurs, il y a même pas d'Ender Crystal. Mais je peux farmer les blocs ici. Donc, je sais pas à quoi ils me servent les blocs, mais pourquoi pas. Bon, je crois que ça me sert juste à avoir des blocs. Mais bon, vu que j'en ai déjà pas mal, j'ai juste à aller vers là-bas. Oh, l'Ender Dragon, il est là! Non, 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 il m'attaque! Oh, purée! Les gars, j'ai pas d'Ender Crystal à casser. Ça, c'est vraiment bien. Par contre, je sais pas comment je vais le tuer du coup. Il va falloir que j'y aille directement et on va essayer de le tuer à l'arc. Oh, il arrive vers moi. Non, 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 non. Ok, il est juste ici. On va essayer de voir si je peux le tirer à l'arc. Et non. Waouh, wow, le screamer. Il m'a fait trop, trop peur. Ok, je dois le tuer à l'arc. C'est parti. Ok, ça va, j'arrive à le toucher. Il fait des trucs super bizarres, l'Ender Dragon. Il lui fait super mal. Grâce à l'arc puissance 5, les gars, je l'explose. Waouh! Mais regardez le bug qu'il a! Il lui reste plus beaucoup de vie, les mecs! Allez, il va mourir! C'est parti! Il est bientôt mort! Les gars, c'est super simple avec cet arc super cheaté! Par contre, vous allez voir, les gars, là, il est bloqué et il va remonter à une vitesse incroyable! Je sais pas pourquoi, regardez! Oh, waouh! Oh, il est mort! Let's go! Il est mort! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu! Ça m'a pris un temps fou, les gars, pour tourner cette vidéo! N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, et sur ce, moi, je vous laisse! Ciao!